Parler création et mode avec vous, Cornelia Zimmermann. Alors vous, vous êtes à la fois artiste, plasticienne, scénographe et styliste, notamment pour la région Grand Sud aussi. Alors en quoi ça consiste d'être styliste pour la région ? Alors pour la région plus particulièrement, c'est mettre en avant l'âme de notre région au travers de son art de vivre, au travers de ses produits et des créations multiples, non seulement au sein même de la frontière, mais à l'international. Ça menait des idées créatives aux sociétés, aux nouveaux concepteurs, mais toujours dans la problématique de rester en phase avec les tendances et dans l'innovation de nouveaux produits afin de se démarquer par rapport à la concurrence, voilà, tout simplement. Et alors, comment vous vous démarquez ? Alors, comment on se démarque ? On va chiner les idées un peu partout, entre Berlin, Paris ou New York ou Tokyo. Je vais à l'affût en fait d'autres cultures, toujours voir comment se construisent d'autres marchés et ramener toutes les idées au sein de notre région et le mettre au profit même au sein même des entreprises et voilà et des entreprises qui osent. Et moi, je veux dire aujourd'hui que je sens beaucoup de dynamisme, contrairement à ce qu'on imagine par rapport à la conjoncture que tout le monde voit morose. Non, du tout. Moi, je sens aujourd'hui dans notre région des entreprises qui osent, qui vont de l'avant et qui osent se démarquer comme une signature régionale et qui n'ont pas peur de créer des produits, des packagings innovants et même des scénographies et pour faire parler d'eux. Et ça, je veux vraiment le souligner, c'est très important. Et c'est là où l'art, souvent on parle des artistes et puis on parle des produits, d'entreprises, de manufactures ou autres. Non, aujourd'hui, le monde est lié. Les artistes sont au sein de l'entreprise, au sein de la société. Et une société ne se construit pas sans artistes et sans idées créatives. Et ça, c'est très important de le signaler. Oui, c'est un beau message, un message d'avenir. Parce que tout se crée ensemble. Et on a besoin aussi, enfin, besoin d'artistes pour trouver des idées nouvelles et aller de l'avant pour le monde de demain. Voilà. Bravo, merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, ça s'applaudit. Un beau message comme ça. Je suis aussi en compagnie de Pierre-Jean Gonzalez-Mayer. Alors vous, Pierre-Jean, vous êtes président de la Fondation Jacques Sourd. La Fondation Jacques Sourd, c'est quoi et qu'est-ce que vous faites ? Alors, la Fondation s'appelle Fondation École du Rêve Jacques Sourd. Jacques Sourd est le nom d'un artiste peintre disparu trop tôt en 2009, artiste peintre symboliste visionnaire. Et la Fondation École du Rêve, c'est en fait le projet de base de réunification des artistes. Et Dieu sait que nous en avons beaucoup. Nous avons 4000 artistes en maison d'artistes, si vous voulez, qui sont vraiment inscrits en tant que professionnels que sur le Languedoc. La région et perclus d'autres artistes qui sont un petit peu plus cachés, qui sont obligés de travailler, d'avoir un boulot alimentaire pour continuer leur art. Et en termes de créativité, en termes de valeur pure, de visionnaire, c'est-à-dire de gens qui vraiment sortent les tripes pour arriver à faire des choses extraordinaires qui sont notre demain, qui sont la réalisation de notre vécu, de notre futur, il est impératif que la Fondation avance. Je vais juste prendre 2 secondes pour vous annoncer officiellement aujourd'hui, et c'est la première, nous allons créer enfin, d'ici quelques années, mais la base, la première pierre est posée, le musée des visionnaires dans le Languedoc-Roussillon. Bravo! Et vous êtes le fondateur de tout ça. Pardon? Vous êtes le fondateur de tout ça. Bien sûr. Je suis le fatigué fondateur de tout ça, d'accord. Alors, est-ce que vous connaissez Patrice Murciano ? Patrice Murciano, on vous présente comme le nouvel Andy Warhol. Hein, vous exposez dans le monde entier. Vous êtes artiste peintre avec un univers plutôt new pop. C'est bien ça. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos œuvres et de votre travail ? Je vois que vous avez aussi un livre. Oui, c'est plus facile. Alors, je vais le montrer pendant que vous nous en parliez un petit peu. On peut ouvrir.
pour montrer un peu plus. Et c'est merveilleux. En fait, la démarche que j'appelle pop, par rapport à des portraits de célébrités comme faisait Andy Warhol à son époque, très coloré, un mélange de couleurs et de coulures, parce que j'aime bien en fait construire des choses à partir d'éléments abstraits, c'est-à-dire de l'explosion. Avant, je faisais des portraits avec... Explosion de couleurs, effectivement. Hein, avec des éléments divers qui n'étaient pas du tout ça, c'était des matériaux complètement, des fois alimentaires même. Et là, je me suis mis à faire des portraits avec de l'explosion de coulures et de couleurs. Voilà. Et vous utilisez la photo pour certains? Je pars d'une base photo comme modèle, bien sûr, mais ensuite, libre interprétation avec... à moi, donner cette énergie, ce côté pop, justement, très coloré. C'est du dubbing? Pardon? C'est du dubbing, en fait. Oui, si tu veux. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que c'est que le dubbing? Son travail est extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui a commencé, alors ça je l'ai lu, ou je ne sais plus, mais qui était, vous faisiez vraiment un travail par rapport à la femme, donc le courbisme que vous avez inventé, que j'adore d'ailleurs, j'adore l'appellation, pour les courbes, les rondeurs, les formes, les hanches, ouais, etc. C'est extraordinaire. Et par contre, il a pondu, excusez-moi de l'expression, un Gainsbourg plus vrai que nature. Ah. Je suis fou de ça. Il doit être par là, et une Madonna aussi qui est extraordinaire. Madonna, il y a vraiment un travail fabuleux. Voilà, c'était ça le courbisme à l'époque. Je vous félicite vraiment. Merci beaucoup. On peut l'applaudir aussi. Et donc, vos œuvres se retrouvent dans ce superbe livre. Merci beaucoup. Merci à vous. On va retrouver Jean avec de nouveaux artistes sur scène. Alors vous allez voir, c'est une artiste, là encore, qui, grâce à un spectre vocal, évidemment aussi étendu, vous allez pouvoir le constater, qui lui permet d'ailleurs de traverser les genres et les époques. Alors, elle nous embarque, elle va nous embarquer dans son univers musical, comme on dit aujourd'hui. Elle arrive tout droit de Narbonne et elle est accompagnée par ses musiciens que l'on va présenter dans un instant. Elle prépare en plus un album Jazz Pop World qui va sortir au printemps prochain, donc c'est très très bientôt. Et puis, évidemment, cette chanson s'appelle Soul Mate. En traduction littérale, on va dire, ça s'appelle âme sœur. Eh bien, elle est venue peut-être avec ses frères, ses cousins, ses neveux. Nous allons voir tout de suite avec Clément Péfer, qui est à la guitare. Et puis Francis Balsamo, qu'on a vu également tout à l'heure en début d'émission à la basse. Mais j'aimerais préciser que Francis Balsamo a accompagné pendant de longues années Michel Pietrucciani. C'est vous dire le niveau ce soir. Mesdames, messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Yasmine Lag. So
Yasmine Lag. Quelle voix envoûtante, Yasmine. Bravo, Yasmine. Bravo, bravo, bravo. Alors, donc on le disait, album printemps 2015, hein, donc c'est le début de l'année que nous allons fêter, que nous sommes en train de fêter. Alors, comment on vient à ce style de musique jazz, pop, world? Qu'est-ce qui finalement vous a inspiré? Parce que vous êtes une jeune artiste. Eh bien, parlez bien dans le micro. C'est simple, j'écoutais beaucoup de jazz, voilà. Voilà, là on est à l'église en même temps. Voilà, hein. J'ai des origines. Il faut me couper la réverb, merci Laurent. J'ai des origines un peu africaines, donc world music mélangé à la musique actuelle pop. Voilà. Je pense qu'il faut faire de la musique avec son temps et on a essayé de mélanger tout ça. Voilà. Et puis en plus, vous êtes accompagné, évidemment, on le rappelle, hein, Clément. J'ai bien prononcé son nom, Clément ? Péfer, hein, c'est bien ça. Et donc Francis Balsamo. En tout cas, on va suivre de très très près la sortie de cet album qui, à mon avis, va intéresser bien évidemment le public présent, mais également vous, chez vous, qui êtes tranquillement en train d'installer, d'assister, installé chez vous, en train d'assister à Parlez-en à vos amis.